Allez, on y va. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, patati patata, le topo de chaque intro de YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto, le fameux tuto tant attendu de ce maquillage. Normalement il y aura une bonne incrustation au montage, sinon j'aurais l'air très con. Enfin bref, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le tuto de ce maquillage. Je mettrai le nom de l'artiste dans la barre d'infos si vous voulez aller le suivre sur Instagram parce que il fait un travail de dingue. Donc je vais faire ça vite fait le temps parce que j'ai juste de l'anti-cerne, du fond de teint et une base à appliquer. Je vais pas mettre de bronzer ou de blush. Pour commencer, je vais mettre une base illuminatrice de chez Maybelline, la Face Studio Prime. Illuminating Primer Base de Teint Illuminatrice. Je viens de lire en anglais et en français, ça sert à rien. Comme vous pouvez voir aussi, mes sourcils sont déjantés. Si vous voulez une vidéo sur comment faire des sourcils on fleek et naturel, enfin ça va quoi, ça fait pas cagole. Et naturel, dites-le moi, je vous ferai la vidéo. Au niveau du fond de teint, toujours pareil. Moi c'est le fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc j'utilise deux teintes, la L4 et la L2. Je pense que ma teinte, du coup, c'est la L3. Le fond de teint, je vous conseille pas si vous avez la peau sèche. Hein. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'en ce moment, j'ai la peau sèche à cause du froid. Et c'est une catastrophe sur le front. Je vais zoomer, je vais vous montrer. Je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc, attendez, je vais faire un petit mélange. Est-ce qu'il y a un anti-cerne que j'ai payé qui n'est pas la bonne teinte et que j'ai quand même envie de me servir parce que je l'ai payé? C'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Dans le packaging, il fait jaune et sur ma peau, il fait rose. Après, sinon, il a l'air bien. Là, je vais juste venir préciser la forme de mon sourcil. On va commencer par les yeux et là, les gars, méga beau, méga bon plan. Ce sont les palettes de chez Lick & Lash. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en fait, Lick & Lash, c'est un site anglais où en fait, vous avez des palettes qui ressemblent énormément, mais énormément au Morph, que ce soit dans le packaging que dans les fards. C'est une marque que j'ai découvert grâce à Marion Caméléon, qui en a parlé dans sa vidéo. Et là, en fait, la palette s'appelle la 35Y et elle ressemble à la 35B de chez Morph en fait. Donc vous voyez bien la panoplie de couleurs. Cette palette était vendue en lot de 2 pour 40 livres environ, s'il vous plaît. Merci. Je vais venir mélanger en fait ces deux couleurs, donc le bleu un peu plus turquoise et le bleu un peu plus ciel. Toujours avec la même palette, cette fois-ci je vais prendre le bleu marine et je vais venir intensifier mon coin externe. Alors là on va commencer les détails, donc on va commencer à faire le nuage. Pour faire le nuage, je vais prendre un anti-cerne très 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 clair, limite blanc. C'est la teinte genre 1 de chez NARS. Et en fait, je prends un pinceau lèvres, donc ça va être un pinceau avec un embout rond comme ça, qui est assez fin. Ne vous inquiétez pas, si vos ronds sont pas parfaits, on va venir les définir après. Et pour le final, je vais commencer à faire un petit pont que je vais dégrader en fait ensuite avec le bleu. Maintenant, je vais juste prendre le blanc de la palette et je vais poudrer ce que je viens de faire. Maintenant qu'on en est là, on est d'accord, le nuage ne se voit pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va venir prendre un tout petit pinceau comme ça, hyper hyper fin. Donc normalement, c'est les pinceaux pour les ongles. Je vais venir prendre la couleur bleu marine de tout à l'heure, celle-ci. Je vais venir faire tout le tour de chaque rond et qu'après, je vais dégrader dans le bleu. Et du coup, en fait, ça va intensifier et ça va faire ressortir le nuage.
Et là, je vais venir bien poudrer. Et là, on va venir faire une petite étoile. Donc, je prends mon un fard gras blanc. Donc, moi, c'est une palette que j'ai achetée genre sur eBay ou Amazon. Je sais plus. Et je vais venir faire ma petite étoile. Donc, là, rien de compliqué. Je fais une barre comme ça. Tac. Et ensuite. Simple, efficace. Mais j'ai fait le premier œil. Je fais le deuxième œil hors caméra. Et je reviens. Donc mon deuxième œil est fait, comme vous pouvez voir, hop, ça fait l'effet nuage. Par contre, dès que j'ouvre les yeux, vu que j'ai les paupières qui tombent, ça nique tout. Mais quand je suis comme ça, on voit l'effet, c'est nickel. Et là, je vais venir faire mon rat de cils. Pour le rat de cils, ici, je vais le faire en violet prune. Donc cette couleur. Et le reste, je vais le faire en jaune. Le jaune qui est ici. On attaque les travaux du visage. Au niveau des tempes, ici on mettra du violet, ici après on va monter dans les bleus, hop, et tout là comme ça, ça sera jaune. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, toujours mon fard à paupières, le jaune là. Ensuite, je vais prendre le violet prune là et le violet rose, enfin un peu plus ce fuchsia, que je vais mettre au niveau des tempes. You and me were shiny dust. We come do it like the dew in the moon. Maintenant qu'on en est là et qu'on ressemble absolument à rien, on va prendre le bleu, donc le bleu marine juste ici. Et là, je vais venir prendre les bleus clairs, tac, que je vais mettre cette fois-ci en plus fine couche. C'est vraiment un travail de couche et surcouche en fait. Pour que ce soit plus ou moins pigmenté. Après c'est à votre guise. Et maintenant on va commencer à faire les nuages. Donc pour faire les nuages, on va prendre du blanc qu'on va mélanger un tout petit peu avec du bleu et du noir pour faire un espèce de gris. D'un gris bleuté comme les nuages dans la vraie vie en fait. Et là je vais prendre un pinceau plat comme ça. Donc ça c'est les pinceaux pour les ongles. Et en fait ce que je vais faire c'est ça. Je vais faire un pont comme ça. Tac. Je vais en faire d'autres à côté. De tailles différentes, enfin bref. À des hauteurs différentes. Baby, you're my all-time favorite drug. Let them keep talking about us. Cause they don't know. We'll never know. When the rain hits hard on my window. Je vais venir un petit peu estomper. Je prends un pinceau plat pour toujours fixer ce que je viens de mettre. Donc là, je vais prendre du blanc. Tout en estompant un tout petit peu vers le bas. Je prends mon pinceau, je tapote et je estompe comme ça vers le bas. Vous faites ça partout sur votre visage, partout là où est-ce que vous voulez avoir des nuages. Et après on se retrouve pour faire la lune. Donc voilà, j'ai fait mes quelques nuages que j'avais envie de faire. Maintenant on va passer à la lune. Bah la lune, rien de plus simple aussi. En fait je vais juste faire un croissant de lune comme ça. Qui va passer derrière le nuage. Pour mes lèvres, j'avais fait du rouge, donc je vais mettre un contour des lèvres de chez NYX, pardon, en teinte Kitten Heel. Bref, comme d'habitude, on overline. Et là, je vais venir mettre le rouge à lèvres mat de chez Sephora. Les rouges à lèvres mat hyper connus, hyper classiques. Et du coup, je vous ai pas dit, mais c'est la teinte 1. Bien entendu, on ne peut pas faire un maquillage artistique ou même un maquillage normal sans un lighter. Donc là, je vais prendre la palette de chez Kat Von D, la Metal Crush. Et je vais prendre la teinte rosée. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai le nuage et que j'aurais dû mettre mon highlighter avant. Et voilà au niveau du make-up, donc je vais juste mettre mes fossiles et je reviens. Et voilà! But you're far away to hold me. You know I'm the one who put you up there.
maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'était pas si compliqué que ça. Je suis un petit peu déçue au niveau des nuages de mes yeux, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu galéré aujourd'hui. Bref, tant pis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!